C'est un match, donc c'était notre dernier match du plateau. Et on voulait vraiment qu'il soit posé, tout ce qu'on a fait cette année, qu'on puisse le mettre en place sur ce match-là en particulier. Donc c'est ce qu'on a fait et on est plutôt contente. Première mi-temps un peu difficile, enfin un peu plus, voilà, on était à moitié dedans, voilà. Mm-hmm. Première mi-temps, on a réussi à mettre du beau jeu, donc... On a eu l'impression, alors tu me diras, à moins que ce soit une stratégie secrète, oui, que tu n'as pas beaucoup de jamais en première période et qu'on t'a surtout exploité en deuxième. C'était une volonté de la part de ton line-up ? Alors en fait, j'apprends à bloquer. D'accord. Voilà, et c'était une bonne occasion là de me mettre un peu en blocage mm-hmm. sur ce match-là. Il se trouve qu'on a fait, on est 4 jammers, donc voilà, c'était possible de me mettre un peu en blocage. De tourner. Voilà, de tourner exactement. Après, là, en tant que jammeuse, on a eu pas mal de fautes. Du coup, en fait, voilà, moi j'ai tendance à faire des fautes en répétition. Donc, ce qui fait que quand j'en ai une, du coup, on m'a dit ok, tu passes en blocage, tu te calmes. Voilà, c'était un peu le retour de la première mi-temps. Et par contre, en deuxième mi-temps, en deuxième période, tu nous as fait un festival de passage. Alors, je t'annonce déjà qu'a priori, au niveau de la TFRS, on va faire une compilation qui sera diffusée. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à toutes les jammeuses qui essayent de travailler sur leur mouvement, sur leur patinage? Quelle est ta recette secrète d'entraînement? Moi, je conseille vraiment d'être à l'aise sur ses patins, arrière, avant, l'écart, comment gérer, à quel moment il faut... passer sur les roues extérieures pour tourner, les roues intérieures, enfin l'agilité quoi. Moi c'est ça, c'est agilité à 100% quoi. Voilà. Et eh ben écoute.